Salut à tous, bienvenue sur Batman Fitness de la vérité. J'espère que vous allez bien. Tranquillou, tranquillou. Ça va, ça va. Donc, on va parler le moteur des épaules. Qu'est-ce que c'est? C'est pas un moteur de voiture, un moteur de mobylette ou de scooter ou d'une Ferrari ou d'une je ne sais pas quoi. Donc, moi, j'appelle le moteur des épaules. Pourquoi le moteur des épaules que moi, j'appelle? Parce que les épaules, on bosse avec tous les muscles, que ça soit développé couché, épaules, dos, squat, fente, et même du cardio training, même quand vous faites une machine à dos, une machine à pec, une machine à biceps, vous travaillez tous les épaules avant, et il y a certaines machines, ça vous fait les épaules, les biceps, les épaules, les pecs, les épaules, les squats. Donc, c'est un rotateur d'épaule qui maintient tout votre exercice en musculation. Il n'y a pas que l'exercice en musculation, il y a les exercices aussi manuellement que vous faites chez vous. Quand vous ouvrez le poignet, vous travaillez des épaules. Vous balayez, vous travaillez des épaules. Vous faites une douche, vous travaillez les épaules. C'est tout par rapport aux épaules. Moi, j'appelle ça le moteur de l'équilibre de tout le corps qui maintient au niveau des muscles. Moi, j'appelle ça comme ça, c'est moi qui l'appelle comme ça. Donc, pour moi, c'est ma vision de voir les choses et de faire en salle de musculation. Donc, tout ce qui est musculation, tout ce qui est pratiquant des sports, boxe, rugby, vélo, tout, c'est tous les épaules. C'est un rotateur des épaules que vous travaillez tout. Même quand vous bossez, même quand vous tapez l'ordinateur sur le clavier, vous travaillez les épaules. Même quand vous mouchez, vous travaillez les épaules. Quand vous balayez, vous travaillez, quand vous nettoyez votre cuvette à chiottes, vous travaillez les épaules aussi. Ça, vous travaillez les épaules, les avant-bras, les biceps, tout type de muscles que vous pouvez orienter. Il n'y en a pas beaucoup qui le savent, que les épaules, c'est un moteur. C'est un moteur des muscles. C'est là où vous allez développer quand même pas mal de puissance, de patate. Si vous arrivez à travailler en musculation les épaules, vous avez tout gagné. Vous allez gagner en force, vous allez gagner en masse, vous allez gagner en tout. Donc, c'est au niveau des épaules là, là je débosse super bien là. Regardez mes épaules là, mes épaules, regardez les épaules là, les épaules arrière. Donc moi je les ai flingués il y a quelques jours, les épaules là, là, tout là. Regardez les épaules, mes épaules, mes épaules. Donc tout ce qui est à base de musculation, de la vie personnelle, on bosse tous avec les épaules. 100% épaules, épaules. Tout, 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 tout. Même si vous écrivez une lettre, que vous ouvrez votre boîte aux lettres, vous ouvrez la cage, vous ouvrez votre bagnole, vous rangez vos courses, vous poussez le caddie. Logiquement, quand vous poussez le caddie, c'est le maintien des épaules. Tout ce que vous faites dans la vie de tous les jours, c'est tout aux épaules. C'est tout, 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 tout. Ça varie avec toutes les épaules. Moi, je suis dans le domaine, dans la musculation. Tout ce qu'on fait en musculation, c'est le moteur des épaules qui va vous abstenir pas mal d'exercices. Tout, 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 tout. C'est tout exigé. C'est tout avec les épaules. Moi, je parle des épaules là, là. Un exemple, je vais prendre ma serpillière au mandrin. Hop. Les épaules, vous descendez, vous ouvrez votre fenêtre, vous travaillez les épaules avant. Si quand vous courez, vous travaillez les épaules arrière, tout, tout, tout. Donc sur ce, je vais vous laisser. Je vous dis à la prochaine. I wanna to biceps, big arm, big chest, big hip, big épaules, big arm, big pec, big chest. Je vous dis à la prochaine. I wanna to biceps, big arm. Épaule, 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 épaule. Regardez les épaules.
tracé. Je vous dis à la prochaine.